Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Y'a demain Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend Z. Nous allons continuer cette fameuse aventure en PVP avec mon poilu, alias Gogetana Super Saiyan Fonda. Voilà, je prends énormément de plaisir à jouer avec lui, malgré les lags, etc. Donc, bon, je vais continuer encore un petit peu ce soir. Et puis, on va essayer d'aller dans le top 3000 dans cette vidéo. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous mettre toutes les games. Hein, sinon, la vidéo durerait plus d'une heure, voire deux heures. Je vais vous faire un petit condensé des meilleurs combats que je juge. Alors, malgré des fois, il y a des lags, des cheaters, etc. Je peux pas... voilà, j'essaye de faire au mieux. Et on va espérer que ça se passe bien. En tout cas, quand je vois ce bonhomme... oh là là, boum, bam, il est exceptionnel. Let's go pour les combats. Yeah! Ok, bon, moi je repars avec les trois mêmes, voilà, mais poilu. Par contre, en face, il a une très belle team avec le Gogeta 4 6 étoiles. Je kifferais tellement l'avoir à 6 étoiles. En revanche, il a déjà dépassé la barre des 12 000 points et il a 921 GG, hein, comme vous pouvez le constater. Là, voilà, je vous mets avec ma souris, ça sera beaucoup plus simple. Par contre, quand je vois Ita, les Italiens, souvent, c'est pas terrible. Bon, alors il met 20 ans à choisir. Ça serait bien que tu choisisses tes persos, mon garçon. Vous voyez, c'est ça qui est chiant, en fait, en PVP. Ah, ça y est, il a enfin choisi. Ce qu'il y a, c'est que t'attends après les gens. Donc, tu peux pas enchaîner game sur game. Et après, bah, vous le savez très bien. Là, voilà, j'en ai fait déjà un petit peu avant. Ça laguait, tout ça. Je vous les mettrai pas dans la vidéo pour l'instant. J'espère que cette game, je pourrai la mettre dans la vidéo. On verra bien, en tout cas quand on voit italien, c'est pas sûr qu'elle y soit. Qu'est-ce qu'elle est belle l'animation de Goku Ultra. Allez, let's go. Allez, on va se concentrer. Ok, il a commencé direct par la verte. Voilà, la cover de Gogetana. Ok. Belle tempo, très bien. Ok. Ok, encore. Ok. Oh ouais, mais purée, il y a une petite latence. En fait, il y a une petite latence qui fait que... allez, allez, voilà. Il y a une petite latence qui n'est pas présente dans toutes les games, en fait. Et ça, c'est... c'est un problème. Mais bon. Ok. Regarde. Mais il y a tellement une latence, j'ai pas pu le faire. Mon perso, il s'est avancé, il s'est arrêté. C'est fou. Et moi j'ai pas pu esquiver, ah, vas-y. Oh là 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 là, franchement, c'est ça le problème. Mais bon. Non. J'espère que je le contre. Franchement, c'est un problème. Hein. La vérité, c'est un problème. Oh là là, je le contre pas. Alors là, à moins de faire une grosse remontada. Allez, on va tout donner là. Allez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pas parce qu'il a balancé le Rising Rush, nous aussi on va l'avoir le Rising Rush. Allez, let's go. Let's go là. J'ai pas pu esquive. Let's go. Allez. On va te le fumer ton number one, tu vas voir. Non mais ça lag, la vérité. Voilà. Là c'est bon. C'est... non, non, là j'étais pas bon. Là c'est moi après qui étais pas bon dans le timing. Tellement peur de la latence que maintenant je me foire dans le timing des charges step. Par contre, j'aimerais bien voir mon Rising Rush. Pourquoi j'ai pas la dernière Dragon Ball encore? Pourquoi moi, je n'ai pas la dernière Dragon Ball pour espérer Rising Rush? Elle est où? Je pourrais pas l'avoir un peu? Mais elle est où? Donne-moi la dernière Dragon Ball! Non, mais c'est trop, les frères. Moi, j'ai pas la dernière Dragon Ball pour Rising Rush. Moi, j'aurais bien voulu le Rising Rush, là. Allez où? Oh, bien évidemment, on me la met sur une spé. Alors, comme ça, voilà, il faut du ki pour espérer l'avoir. Voilà, bon, voilà. Bah, il manquerait plus qu'il ait un deuxième Rising Rush et on est bon. Hein. C'est un truc de fou. Là, là, clairement, je suis vraiment désavantagé. Hein. Attends, on va d'abord faire la strike. Tu sais quoi, je vais quand même faire la spé. Je fais pas. Voilà. Hop, bim. Ok. Ah là 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 là. Bon, au moins on aura le Rising Rush. On l'a eu tard, mais au moins on l'aura. Calme-toi quand même là. Okay. Non! Mais non! Mais non! 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 Non!
Mais non, mais deux fois, deux Rising Rush dans la game, les amis. Je viens juste d'avoir mon premier Rising Rush, il y en a déjà eu deux. C'est pas normal. Mais ça devrait être limité à un Rising Rush par game, Athéma. Concentre-toi. Ich. Encore. Ich. On va lui faire la feinte. L'aspect et Rising Rush. Allez. Non, j'ai 4 blasts. Mais non. Mais pas la blast. Boum. Purée. On est parti la chercher, cette win, les gars. Bon, je crois que la vidéo... Enfin, on mettra cette game dans la vidéo. Mais incroyable, les frères. C'est incroyable, quand même, là. Est-ce que vous vous rendez compte que là, ce qu'on a enduré, c'est un truc... J'ai envie de me cogner la tête contre un mur. Non, mais clairement, les frères. Le mec, bon, il a eu Rising Rush au début. Au début, voilà, il jouait bien. J'avais une petite latence, quand même. Et le mec, le temps que j'arrive à avoir mon premier Rising Rush, il avait déjà son deuxième Rising Rush. La vérité, c'est trop. Dites-le moi, vous aussi, dans les commentaires, si vous vivez la même chose que moi. Franchement, c'est un truc de fou, ça. Moi, sans déconner, c'est très rare. Honnêtement, je vous le dis, c'est très rare que j'arrive à avoir deux Rising Rush. Après, peut-être parce que moi, voilà, j'ai un jeu un peu agressif, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, en attendant, on est bientôt dans le top 3K, les amis. Hein. 3280, ça, c'est pas mal. Wouh, grosse team fusion en face. Bon, bah, moi, je pars avec les 3 mêmes. À mon avis, il va mettre son Gogeta Transfo Zenkai, hein, 14 étoiles en plus. Bon, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ok. Ouais, c'est une très belle team en face également. En plus, il a mis le Végéto jaune. Pour mon Goku 4, c'est pas terrible. Bon, on verra bien. Allez, on se concentre. Voilà, il a commencé direct avec une spé. Voilà, j'ai pas été bon dans le timing. On commence mal. La cover, merci Gogeta. Ça, on kiffe. Ok. Non. Putain, mais je suis pas bon là dans le timing. Ok. Ok. Quoi? Déjà? Mais non. Contre. Oh. Oh les frères, il a eu Rising Rush rapidement, les frères. Non, c'est trop. Mais non, c'est trop. Eh, il y a intérêt, j'ai le Rising Rush rapidement également. Franchement, là, il y en a marre. Ah non, c'est trop. Allez. Ich. Ok. Ich. On va leur faire une spé, là. Il va rattaquer. Bim. Voilà. Allez, il est où mon Rising Rush, là? Voilà, ok. Aïe. C'est pas grave, il va tanker. J'aimerais bien remettre le Végéta. Je vais mettre le Végéta juste... ok, juste après. Ok, j'attends. Là, c'est bon, je le mets. Voilà, bim. Ça va tanker. Ah, il me faut le Rising Rush également, là. Et moi j'ai toujours pas... J'ai toujours pas pour Rising Rush. Ils sont où mes Dragon Ball pour Rising Rush, wesh? Lui, il va déjà avoir le deuxième Rising Rush que j'ai pas encore mon premier Rising Rush, wesh. Mais elle est où, là? Elles sont où, les Dragon Ball? Non, mais c'est trop. Mais c'est trop, monsieur l'arbitre. La vérité, c'est trop. Pourquoi j'ai pas le Rising Rush encore? Chat. Pourquoi j'ai pas le Rising Rush encore? Pourquoi j'ai toujours pas le Rising Rush? Pourquoi? Non, la vérité, les frères, vous voyez ou pas? C'est un truc de fou. On me donne pas les Dragon Ball dans le jeu. Bim! Mange! Yes! Tcha! Voilà! Et quoi, on a besoin d'un Rising Rush, nous? Y'a pas besoin.
Y'a pas besoin. Ah les gars, ça, je peux vous le dire, c'est des games très très tendus, franchement. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Alors, bon, je pense que celle-là, je la mettrai. En plus, on a passé du coup la barre des 3K, on est placé dans le top 3000. Mais, franchement, c'est un truc de fou. Mon Rising Rush ne venait pas. Je suis sûr que limite, le mec allait avoir son deuxième Rising Rush. C'est comme la game de tout à l'heure. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Mais c'est un déséquilibre. Hein. Vraiment, ça, c'est un déséquilibre dans le jeu d'avoir la possibilité de donner deux Rising Rush à un joueur, tu vois. Alors bon, qu'il l'ait rapidement, d'accord. Mais une fois qu'il l'a rapidement, faut pas qu'il arrive à en avoir un deuxième, tu vois. Mais s'il l'a rapidement et qu'en plus, il en a un deuxième. Et qu'en plus, toi, eh bien, du coup, tu n'as toujours pas ton premier Rising Rush. Vous avez vu, les Dragon Ball, elles venaient pas. J'avais des cartes qui venaient, les Dragon Ball ne suivaient pas. Bon, bref. Allez, let's go. On va continuer encore une petite game, histoire de bien conclure cette vidéo, en espérant que ce soit une belle game. Yeah, belle team divin en face. Let's go. Je pense qu'à mon avis, il va prendre sa Vados, le Gata Isamasu. Après, peut-être Champa ou Migaté, hein, parce qu'il a quand même un Migaté bien étoilé. 8 étoiles. Eh ouais, il a pris le Migaté, ok, bon. Vados, 12 étoiles, c'est plutôt pas mal. Bon, let's go, les amis. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Let's go. Il va mettre Gata, je suppose. Ah là, 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 là. J'aurais dû tenter un break cover, mais j'étais pas sûr qu'il allait faire break cover. Enfin, qu'il allait mettre le Gatai. Je dis n'importe quoi. Quand je suis en train de jouer, de toute façon, je dis n'importe quoi. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. Et là, du coup, je suis en train de me faire enchaîner. Let's go. Ish. Full camp d'ici. Ah. Ouf, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Let's go. Voilà. Bim. Je savais que t'allais le mettre. Yes. Voilà, la game elle est fluide là. Oh bah là le cadeau. Ça va tuer. 1 844 000. Ça tue ou pas? Je pense que ça va la fumer, hein. Je pense que ça va la fumer. Ouf. Allez, cuisine la folle à queue de cheval. Oh là 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 là. Va prendre ta casserole. Oh, ça c'est bon ça. Oh là là, on est pas mal là. Ouf. Oh, on est pas mal. On est pas mal du tout, hein. Tout le monde va à la cuisine. Tout le monde à la cuisine. Allez, ça c'est la cuisine également. Non, c'est bon, voilà. Bim. Je vais le forcer à disparaître. Comme ça, voilà. Il disparaît, voilà. C'est bon. Net, précis, sans bavure. Clairement, c'est... Clairement, là, ça a été un truc de fou. On l'a arraché. Il n'y a même pas eu besoin de Rising Rush. Du coup, incroyable. Eh bien, on est placé 2702. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal pour conclure cette vidéo. 12 292 points, 2702 avec ma team GT. Et puis, bah, mon petit Gogeta 4, 3 étoiles que je kiffe. Et... Ouh, quelle soirée encore. Quelle soirée, les amis. Franchement, entre les lags, il y avait les problèmes de Rising Rush, etc. Faut rester solide, hein, mentalement. La vérité, faut rester solide. Et puis, bah, vous le voyez, on n'affronte pas des petites équipes. Hein. On a affronté encore des grosses teams avec du Zenkai et tout. Mais voilà, c'est bon, c'est pas mal. Franchement, je suis plutôt content quand même d'être top 3K ce soir. Je vais continuer un petit peu comme ça. Et puis bon, bah de toute façon, c'est jusqu'à dans la nuit de mardi à mercredi prochain. On va espérer voilà, faire un petit top 3000. Ça serait plutôt pas mal. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Max de pouces bleus comme d'habitude. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!